Expliquer certaines choses puisque je vous ai donné des exercices et on n'avait pas vu les leçons en classe. Donc on va commencer par l'alphabet et l'ordre alphabétique pour les CP. Alors voilà, l'alphabet et l'ordre alphabétique. Donc on va commencer par dire le nom des lettres. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Bon, vous les connaissez tous maintenant. Est-ce que vous voyez qu'il y a des lettres de différentes couleurs ? Maintenant qu'on a nommé toutes les lettres, on va les compter pour savoir il y a combien de lettres dans l'alphabet. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Il y a donc 26 lettres dans l'alphabet. Et comme vous avez pu remarquer, il y a des lettres de différentes couleurs. J'ai mis le A, le E, le I, le O, le U et le Y en vert. Pourquoi ? Eh bien simplement parce que le A, le E, le I, le O, le U et le Y, ce sont des voyelles. Et les lettres qui sont en rouge, le reste, il y en a beaucoup, je ne vais pas les dire, ce sont des consonnes. Donc, on a dit qu'il y avait 26 lettres et ces 26 lettres, il y avait 20 consonnes plus 6 voyelles. Maintenant qu'on a vu que l'alphabet était composé de 26 lettres, dont 20 consonnes et 6 voyelles, pourquoi est-ce qu'on parle d'ordre alphabétique ? Alors, on parle d'ordre alphabétique parce que on peut ranger des lettres et des mots. Vous vous souvenez quand je vous demande de ranger les nombres, soit dans l'ordre croissant, c'est-à-dire du plus petit au plus grand, ou alors dans l'ordre décroissant, cette fois-ci on range du plus grand au plus petit. Eh bien c'est pareil pour les mots et les lettres. On les range dans l'ordre alphabétique, ça veut dire qu'on les range dans l'ordre de l'alphabet. Donc on commence par le A jusqu'à Z. Je vous ai mis des lettres dans le désordre. B, O, P, F, A, X. C'est pas rangé dans l'ordre. Eh bien on va les ranger ensemble dans l'ordre alphabétique. Donc par quelle lettre est-ce que je vais commencer ? Quelle est la première lettre de l'alphabet ? C'est le A. Et le A, il est ici. Donc du coup, je vais pouvoir écrire, donc, si je range dans l'ordre alphabétique, ma première lettre, c'est le A. Ensuite, quelle est la lettre qui vient après le A ? C'est le B. Et le B, je l'ai aussi ici. Donc je vais pouvoir l'écrire après la lettre A. Ensuite, j'ai quelle lettre ? Le C. Ah, mais ici, j'ai pas le C. Donc je vais devoir aller chercher la lettre qui est le plus proche de l'alphabet. Donc on regarde. O, le O, il est là. Est-ce qu'on a une lettre avant ? Le P, le P, il est après le O. Le F, le F. Ah, le F, je vais le ranger après le B, puisque c'est la lettre qui est la plus proche dans l'alphabet des deux autres lettres. Ensuite, je vais avoir donc le X, on voit qu'il est à la fin de l'alphabet. Donc lui, on ne va pas le ranger tout de suite. Donc on reprend. Donc j'ai toujours le O et le P. Le O, j'ai aucune lettre entre le F et le O. Donc la lettre que je vais écrire ensuite, après le F, c'est le O. Je sais qu'après le O, il y a le P, donc je peux tout de suite le ranger. Et ma dernière lettre, donc c'est le X que j'ai à ranger et qui se trouve à la fin de l'alphabet. Donc mes lettres ici sont rangées dans l'ordre alphabétique. Je les ai rangées comme si je les rangeais dans l'alphabet. Donc il y a moins de lettres que l'alphabet, puisque si on devait tout re-ranger les 26 lettres, ça serait bien compliqué. Mais du coup, je me suis aidée ici de mon alphabet pour pouvoir ranger les lettres. On va essayer de faire un petit peu plus compliqué. Cette fois-ci, on va ranger des mots. Plus des lettres, mais des mots. Donc pour ranger des mots,
on va regarder les premières lettres de chaque mot. Donc Eva qui commence par un E, Amélie qui commence par un A, Léo qui commence par un L, Ali qui commence par un A et Salto qui commence par un S. Si on doit ranger ces mots dans l'ordre alphabétique, ils font qu'on commence par la première lettre de l'alphabet, le A. Est-ce qu'il y a des mots qui commencent en A? Oui, on en a deux, Amélie et Ali. La maîtresse est vraiment une coquine, elle met tout de suite plein de difficultés pour ranger les mots. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on en a deux, Amélie, Ali. Comme ils commencent tous les deux par la lettre A, je vais devoir regarder la deuxième lettre, M pour Amélie et le L pour Ali. Alors on va regarder notre alphabet, le L, il est avant le M, donc du coup le premier mot que l'on range c'est Ali. Et ensuite, Amélie. C'est bon, j'ai rangé ces deux-là, je les barre, on n'en a plus besoin. Il nous reste Eva, Léo, Salto. Donc le E pour Eva, le L de Léo et le S de Salto. On regarde dans l'alphabet, quelle est la lettre qui est le plus proche du début de l'alphabet? Le E. Donc je vais devoir ranger Eva. Je les rangeais, c'est bon. Ensuite, on a Léo et Salto. Donc le L, le S. Quelle est la lettre qui est le plus proche des autres lettres? On a le L. Donc après Eva, c'est Léo. Et enfin, on range Salto. Le S, il se trouve vers la fin de l'alphabet. Donc voilà comment est-ce qu'on range des mots dans l'ordre alphabétique. On regarde les premières lettres et si les premières lettres sont les mêmes, on regarde la deuxième. Et si la deuxième est pareille, on regarde la troisième et ainsi de suite pour ranger les mots dans l'ordre alphabétique. C'est bon, c'est la fin de cette petite vidéo sur l'alphabet et l'ordre alphabétique. J'espère que ça a pu vous aider à comprendre comment est-ce qu'on range les mots et les lettres dans l'ordre alphabétique, donc dans l'ordre de l'alphabet, et que vous allez pouvoir maintenant ranger toutes les lettres et tous les mots que je vais vous donner à ranger dans le bon ordre, en respectant bien les consignes. Goodbye !